La SS2I à Tos Origines n'est pas à la fête actuellement en bourse, avec un fonds de pression sur le secteur high-tech. Pourtant, depuis l'arrivée de Thierry Breton à la tête de l'entreprise en novembre 2008, l'optimisation des coûts a porté ses fruits. L'entreprise a également signé un gros contrat avec la reprise de la filiale SS2I de Siemens. Ce rapprochement permet de créer un leader européen avec un effectif total de près de 80 000 personnes. Pour 2011, Atos table sur une croissance en ligne avec celle du marché et sur une marge opérationnelle de 6%. L'opinion des analystes de l'OPSA sur cette valeur est baissière. Le titre a clôturé hier en hausse de 0,65%.